prendre des photos de gens sur le vif, dans le quotidien, en train de promener un chien, conduire un taxi ou choisir des légumes. Moi, j'organiserai une fête de voisins et j'inviterai tous les quartiers pour mieux se connaître, si. Pourquoi pas une grande randonnée en bicyclette? Oui, histoire de découvrir nos villes. Moi, je pourrais chanter avec ma chorale et on fera un concours pour trouver la plus belle chanson. On pourrait imprimer des œuvres d'artistes de chez nous sur des t-shirts et les vendre pour aider une œuvre de charité. Tu prends une voix, tous les enfants de ton école mettent quelque chose dedans, puis on l'envoie dans une autre province. En 1992, le Canada célèbre son 125e anniversaire. Et vous pouvez y participer. Il suffit d'imaginer une idée, un projet, quelque chose de constructif. Et durant toute l'année, les gens de Canada 125 seront là pour vous aider à mettre vos projets de l'avant. Canada 125, l'avenir, c'est chacun de nous.